Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, je voulais m'adresser à tous mes frères et à mes sœurs qui passeraient par des découragements. Je suis algérien. Je ne suis pas dans les cours ce matin parce que j'avais des choses à faire. Et je suis en train de marcher là, dans les petites rues, dans les rues de Géens. Je parlais avec le Seigneur et je disais: Seigneur, merci de ce que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui connaît la nécessité, que tu réponds à chacun de nos besoins. Et en disant ces mots, ben, je valorisais la grâce. Je sentais que le Saint-Esprit me disait dans mon cœur, avec des convictions, qu'il était tout près de nous, tout près de moi. Ouais, j'ai trouvé sage de faire ce direct pour vous communiquer et vous dire ce que vous savez déjà, de ce que le Seigneur est constamment avec nous. Le Seigneur est toujours présent. La parole de Dieu déclare qu'il est le fidèle compagnon. Et que si un cœur, eh ben, est blessé, il est le réparateur des brèches. Il connaît le chemin des cœurs parce que c'est lui qui a créé le cœur. Alors, oui, je voudrais, en te le disant aussi, m'encourager. Et vous dire, frères et sœurs, que le Seigneur est bon. Parole déclare aussi que goûter comme Dieu est bon. Et de jour en jour, nous expérimentons sa grâce. De jour en jour, ben, nous sommes dans le creux de sa main. Et moi, je m'appuie sur ses promesses. J'ai l'habitude de dire, quand j'ai l'occasion, que le Seigneur me fait grâce de prêcher, eh ben, de dire que les promesses de Dieu ne sont pas là pour être simplement lues dans la parole de Dieu. Mais elles sont là aussi pour être réalisées dans un cœur. Ces promesses sont véritables. Ce n'est pas des mots bien dits, mais c'est surtout une réalité. Alors, ma sœur, mon frère, toi qui passes par des problèmes, par peut-être la maladie, eh bien, je voudrais te dire, de la part de Dieu, que le Seigneur écoute. Il est en train de sonder ton cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, priez pour nous. Nous prions pour vous. Et que toute la gloire et l'honneur le revienne à lui dans le nom précieux de Jésus. Amen. On fera un autre direct. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'avais ça à cœur de vous le faire partager. Parce qu'on est loin de la maison et je réfléchissais en disant: ben, Seigneur, tu es le Dieu qui est toujours près de moi, qui pourvoit. Que Dieu soit béni. Donnons la gloire à Dieu. Le Seigneur voudrait constamment nous rassurer. Avant de calmer la tempête, il voudrait te dire: mon fils, ma fille, je suis là, je veux consoler ton cœur. Ne t'effraie point. Ne regarde pas et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ce sont des versets de la Bible. Je crois que ça se trouve dans Isaïe 41, 10. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, comme quoi il ne fait pas toujours. Il pleut pas toujours, mais il fait toujours gris quand même. Hein? Es una gracia de Dios, de poder estar aquí. Quiero valorizar lo que Dios me da, lo que Dios me hace. A ella toda la gloria. Voilà, mes frères. J'aurais chanté un cantique, je ne sais pas chanter. Mais je sais posséder la foi. Et je sais que le Seigneur est avec moi et est avec vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse.